Les vraies voix sur Sud Radio vivent plutôt bien le déconfinement, tout en restant prudentes, hein, évidemment. Les vraies voix sont comme ça, elles sont très très prudentes. Sophie Obadia, Philippe Binger, Philippe David, Philippe Rossi. Et le grand débat des vraies voix, après 5 jours de déconfinement, le bilan est-il positif? Eh bien oui, c'est ce que dit la porte-parole du gouvernement, estimant que les Français sont prudents, portent le masque, font attention. On vous attend pour en parler aussi, bien sûr, 0826 300 300 et sur les réseaux sociaux, Philippe Rossi. Et les réseaux sociaux où nos auditeurs n'ont pas le même avis que Sibeth Ndiaye, puisqu'ils répondent non pour le moment, non à 54%. Sud Radio, les vraies voix. Le débat est ouvert. Nos habitués, eh bien, sont là. Je le dis, nos habitués, parce que Marie-Christine Verdier-Jouclas est avec nous. Bonsoir Marie-Christine. Ah. Bonsoir. Eh oui, députée La République En Marche du Tarn et porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée nationale. Et oui, elle a pris du galon ces dernières semaines, donc forcément... Ah bon? Bah oui, quand même, porte-parole, attends, c'est énorme. Mais ça fait plus d'un an. Non, je sais, je te taquine, je vous taquine. On se tutoie ou on se voit, je ne sais plus. On a dit qu'on se tutoyait la dernière fois. Ah ben on se tutoie alors, bon bah c'est parti, allez. Et puis le professeur... C'est une bonne porte-parole. Oui, absolument. Et le professeur Jacques Règne qui est avec nous, chef du service des maladies infectieuses au CHU de Montpellier. Bonsoir professeur et merci. Merci. Bonsoir. Merci bonsoir. D'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Tiens, avant de vous donner la parole à tous les deux, moi je vais demander un peu à nos vraies voix comment elles vivent leur déconfinement, justement. Bah, tiens, Sophie, comment vous le vivez ce déconfinement? Vous avez repris le travail, vous, au Palais de Justice? Alors oui, j'ai pu enfin me rendre à une audience, c'était à Versailles. Ça s'est très bien passé. Tous les avocats avaient des masques, pas la présidente, curieusement, mais ah elle bon était très loin de nous. Non, ah non, bon, mais ça va, la salle était très grande. Et ça s'est très bien passé, donc ça j'en suis heureuse. En revanche, il y a de nombreuses affaires qui sont stockées, donc nous attendons des dates, et il y a beaucoup d'audiences qui sont renvoyées, comme on dit chez nous, sine die, c'est-à-dire sans date, et ça m'inquiète beaucoup, parce qu'il y a un stock qui est en train de s'accumuler, et nous savons, parce que nous lisons des interviews de la ministre de la Justice, que ben, c'est peut-être un peu moins bien géré que l'éducation nationale. C'est-à-dire que il y a eu une grosse panne informatique, je ne m'étais pas trompée, c'est-à-dire qu'en réalité, on ne pouvait pas travailler de chez soi pour les greffiers parce qu'ils n'avaient pas accès. Ben oui, vous en aviez parlé, je me rappelle. Ceux qui notifient les décisions, c'est un maillon de la chaîne indispensable et ils n'ont pas les outils informatiques. Nous l'avons découvert à cette occasion. Ce qui est évidemment dramatique dans un État moderne. Bah oui. On ne peut pas avancer. Ouais. Voilà. Philippe Rossi, comment vous vivez le déconfinement? Ah bah moi très bien, alors ce que j'aime le plus dans ce déconfinement, c'est de pouvoir sortir sans faire la petite attestation avant et prendre la carte d'identité. Alors c'est incroyable, c'est un bonheur divin. Non, j'étais le premier jour un petit peu angoissé de ressortir, mais comme un Français sur 5 j'ai appris, qui ont le syndrome de la cabane, je ne connaissais pas. On va en parler. Ah bah voilà, très bien. Oui, absolument. Ah oui, non, bah c'est très intéressant et ça correspond en plus à une histoire très intéressante, le syndrome de la cabane. On va en parler avec le professeur Jacques Règne qui est avec nous dans un instant. Tiens, Philippe David, alors vous, je sais que vous êtes déconfiné dans le sens où vous m'envoyez des photos des oies sauvages qui se baladent sur votre terrain à côté de votre maison. Alors, Mais elles sont carrément venues devant chez nous ce matin. Elles ont eu 5 petits, vous avez vu. On a des oies du Canada, des oies bernaches. C'est vous le père? Qui ont fait des petits. C'est vous le père? Ah non. Ce sont celles de Delpech ou pas? Comment, Philippe? Sont celles de Delpech? Ah oui, non, c'est des oies sauvages, oui. Alors, c'est des oies de bernache du Canada, elles ont eu 5 petits, mais ça grossit à une vitesse, les petits. Ils sont venus nous dire bonjour, ils sont venus carrément devant la maison ce matin. Oh là là, c'est mignon, c'est mignon. Je vous enverrai les photos, même si vous voulez, Christophe. Oui. Envoyez-moi plutôt une cuisse, hein, quand vous l'aurez bien fait rôtir. Oh. Par-dessus les temps, soudain j'ai vu passer les oies sauvages. Voilà. Et c'est dingue, hein, des oies du Canada sont venues en France nonobstant le confinement. Voilà, et elles restent là, et elles restent là en plus. Elles restent là. Elles font même Christophe, sur le déconfinement, je trouve en effet, un peu comme Sophie, que le président de la République a considéré que les premiers pas étaient intéressants. Il a dit il ne faut pas crier victoire, ce qui me paraît évident. Mais j'ai été tout de même agréablement surpris, après le début de ce déconfinement, par la relative rapidité avec laquelle les institutions, les services publics
semble s'être remis en marche d'une manière qui, mon Dieu, n'est pas complètement médiocre et a pu rassurer un petit peu les citoyens. Oui, c'est vrai. Et puis les entreprises aussi, hein, ça repart voilà, assez vite, visiblement. Donc ça, c'est plutôt intéressant. Bon, alors lundi, c'était le premier jour de déconfinement. Tout le monde avait l'air plutôt content, hein, plus besoin d'attestation, comme l'a dit Philippe Rossi, pour aller promener le chien ou pour faire les courses. Et puis alors, depuis, c'est vrai qu'il y a certains Français qui ne sont pas forcément très à l'aise avec ce déconfinement, même parfois légèrement au bord de la déprime quand même. On appelle ça effectivement, comme le disait Philippe Rossi, le syndrome de la cabane. Professeur Règne, c'est quoi ce syndrome de la cabane ? Ah ben écoutez, le syndrome de la cabane, vous me l'apprenez, hein. Ah bon ? Dites-moi. C'est le professeur Bordet qui va vous dire, alors, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Non, mais visiblement, d'après ce que j'ai cru comprendre, il y a très longtemps, les chercheurs d'or étaient victimes de ce syndrome. C'est-à-dire qu'ils étaient tout seuls, ils cherchaient leur or, etc., etc. Puis quand il fallait revenir dans la vie normale avec plein de gens autour, eh ben, ils se sentaient mal à l'aise, quoi. Voilà, il y avait un stress, il y avait, voilà. Et on appelle ça le syndrome de la cabane. Et c'est vrai qu'il y a des Français qui sont victimes de ça en ce moment, hein, professeur. C'est vrai. Ben, je pense que le. Il y a des virus, gens qui ont aimé le confinement. Oui, mais non, mais ce virus rend un peu fou, hein, donc donne, pour faire un peu une image, donne le tracassin, hein, donc il y a beaucoup de gens qui sont perturbés, effectivement. Alors, on peut être perturbé aussi parce qu'il y a eu différents messages, il y a beaucoup d'incertitudes. Ça remet en cause beaucoup de choses, donc c'est tout. Moi, il me semble que ça me paraît normal, et même on peut se satisfaire de voir qu'il n'y a pas plus de problèmes. Donc, ouais, mais quand même une chose, est-ce qu'il n'y a pas une phobie de la contamination aujourd'hui pour certaines personnes qui repartent dans la rue au travail, qui prennent les transports? Oui. Alors le danger, en fait, il vient surtout des groupes. Et ce qu'on appelle les clusters, hein, donc pourquoi ? Parce que en définitive, la contamination a lieu essentiellement dans le cadre d'un espace confiné, c'est-à-dire où on se retrouve dans un espace clos, avec l'occasion de parler, de tousser éventuellement, mais même de parler, puisque il y a une mise en suspension du virus quand on est en phase soit juste avant les symptômes, soit en début de symptômes. Et donc là, effectivement, il y a des niveaux de virus qui sont un peu inquiétants et qui expliquent que cette transmissibilité est très forte. Mais l'effet du confinement fait que, compte tenu de sa durée, il y a pratiquement très très peu actuellement de personnes en phase active. Donc la dangerosité est vraiment... Cinq jours après le déconfinement, à l'hôpital par exemple, tout se passe bien ou beaucoup mieux? Oui, il n'y a eu aucun signal pour l'instant, en sachant que l'incubation est en moyenne de 5 jours. C'est-à-dire que bon, on n'est pas quand même... Oui. Tout le monde ne s'est pas nécessairement contaminé dès le premier jour. Donc on pourra commencer à avoir une idée approximative, je pense, à la fin de la semaine prochaine. Mais est-ce que vous êtes d'accord avec le professeur Raoult qui dénonce à présent le confinement ? C'est-à-dire, il dit qu'il y a eu plus de malades qui étaient confinés pendant le confinement que de gens qui allaient travailler tous les jours et qui, eux, n'ont rien eu. Oui, mais ça, c'est encore un peu les excès marseillais, mais c'est ni tout blanc ni tout noir. Hein, oui. Donc le problème, c'est que les personnes qui effectivement ont continué leur activité dans un espace humain qui était très réduit. Donc ils n'étaient pas en exposition, en fait. Et quand ils avaient une profession théoriquement en danger, comme les soignants, les soignants prenaient des précautions. Donc ça explique en définitive que malheureusement, il y a eu des personnes qui, par indisponibilité des masques ou par imprudence, effectivement, ont été contaminées. Mais c'est tout à fait normal que, vu le niveau de confinement, les personnes qui étaient à l'extérieur, en définitive, étaient peu exposées. Oui. Marie-Christine Verdier-Jouclas, qu'est-ce qui fait dire au pouvoir aujourd'hui que le déconfinement, globalement, se passe bien ? Sur quoi on se base pour dire que ça se passe bien ? Mais
Je pense médicalement, et peut-être que le professeur qui est là pourra le dire aussi. Bah, c'est ce qu'il vient de dire un peu, hein, le professeur Reine. Voilà, oui. On a des patients en fait en moins tous les jours qui sont contaminés. Et ensuite, le nombre de décès aussi qui diminue. Donc, pour autant, je peux vous assurer, enfin, du moins ici, moi, dans mon département, j'ai vraiment l'impression qu'on a repris la vie comme avant. C'est-à-dire, il y a des voitures, il recommence à avoir des bouchons. Alors, on est dans le Tarn, hein, on n'est pas dans ah, les. Ah, s'il y a des bouchons dans le Tarn, je te raconte pas à Toulouse. Hein, oui. C'est pour ça, je veux dire, c'est. Voilà, j'ai le sentiment aujourd'hui, je suis allée toute la journée à Albi, et donc, oui, les gens sont ressortis. Pourtant, il pleut, mais les gens sont là. Est-ce qu'ils ont mis un masque, les gens, à Albi aujourd'hui? Alors, c'est ce que je réfléchissais, parce que j'étais sûre que vous alliez me poser la question. Sincèrement, dans la rue, je dirais qu'on en avait 2 sur 3 qui avaient le masque. Oui, dans la rue. Bon bah, après, dans la rue, on n'est pas collé, on n'est pas dans un espace confiné, comme disait l'auteur Inès. Donc, bon, après, dans les endroits qui étaient fermés, je suis allée dans une pharmacie, tout est mis en place. En fait, je veux dire, il y a voilà, les distances de mètres, non, mais après, bon, circulation. Alors, il y a la gens, distanciation, quand... ça ne fonctionne pas trop mal, visiblement. Les masques, bon, c'est vrai qu'on voit quand même beaucoup de personnes qui n'en ont toujours pas. Hein. Je ne sais pas pourquoi. Il y a des gens qui sont récalcitrants, quand même, il faut le dire. Il y a des gens récalcitrants au masque. Hein. C'est une réalité. Quand on marche dans la rue, franchement, on n'a pas besoin forcément d'avoir le masque. Oui, la problématique du masque, c'est qu'à partir du moment où vous le mettez pour rentrer dans un endroit clos, il a une durée de vie au sens où il ne faut pas le toucher, il ne faut pas mettre les mains au visage. Donc, c'est normal qu'ensuite, quand vous sortiez, vous le mainteniez. Le souci, c'est si vous commencez à l'enlever, à le remettre, à l'enlever. Je suis d'accord. Mais en même temps, si ça se passe bien, comme le dit Sibeth Ndiaye, c'est aussi parce que les gens sont peu retournés quand même au travail globalement. Il y a beaucoup de télétravail encore aujourd'hui. Il y a beaucoup de gens qui disent maintenant le télétravail, d'ailleurs, c'est plutôt pas mal, alors qu'en début de confinement, le discours était absolument inverse. Donc, on voit qu'il y a une chose qui a évolué, là, évidemment. Et puis, si on regarde l'école, c'est pareil, quoi. Peu d'élèves dans les écoles, les cafés, les restaurants toujours fermés. Donc, forcément, ça aussi, ça aide au fait que, le virus... est beaucoup moins reproduit, quoi, quelque part. Mais c'est pour ça qu'on fait un déconfinement aussi progressif. Dans le contexte où on est aujourd'hui, vous avez raison, pas beaucoup d'enfants effectivement à l'école et encore beaucoup de personnes en télétravail. On voit que, malgré tout, c'est positif parce qu'on a bien une diminution de décès, une diminution de contamination. À partir de la semaine prochaine, vous allez avoir les collégiens qui vont rentrer à l'école. Donc ça va être une autre étape. Pas beaucoup. Mais ça va être quand même une autre étape. Et ensuite, vous avez le 2 juin, ça sera vraiment là, en fait, l'étape, puisque le Premier ministre s'est engagé hier dans les départements qui seraient verts et qui seraient maintenus verts, de commencer à rouvrir les cafés, hôtels, restaurants. Donc je pense que là, ça va être pour moi vraiment la jauge de savoir si pour toi, Marie-Christine, visiblement, les Français sont responsables. Depuis 5 jours, ça se passe bien parce que les Français sont responsables, globalement. Moi, ce que j'entends, ce que je vois à la fois à travers les médias, parce que moi, je ne suis pas dans toutes les villes, et ce que je peux voir moi ici dans ma commune, dans mon département, oui, j'ai vraiment le sentiment que les citoyennes et les citoyens ont bien pris la mesure des efforts qu'il fallait continuer à faire, des mesures de distanciation, des gestes barrières, de porter le masque chaque fois qu'on pouvait. Oui, moi j'ai le sentiment vraiment que chacun a pris cette responsabilité. Ouais, vous êtes d'accord, tiens, Sophie, vous trouvez que les Français sont responsables depuis lundi, que finalement, globalement, quand on observe comme ça un peu les choses, simplement. Alors, il n'y a pas que mon observation, il y a une enquête qui permet de voir, là, qui est sortie ce matin, que 65% des Français ne sont pas plus sortis ou plus souvent que pendant le confinement. C'est énorme. Énorme. Il n'y a que les très jeunes. En fait, ce sont les jeunes, ceux qui ont moins de 25 ans, qui sortent plus. Comme moi, quoi. Voilà, comme vous, c'est bien normal. Mais il y a 69% des salariés ne sont pas retournés au travail. Non, mais c'est ça, c'est ce que je disais. Ça veut dire que vraiment les gens font ça très progressivement, ce qui était le sens du déconfinement, c'est-à-dire y aller étape par étape. Ouais. Donc oui, globalement, alors après l'observation dans la rue à Paris, il y a des quartiers où c'est plus ou moins bien respecté. Enfin, pour l'instant, ça va très bien. Et alors moi, j'ai vu un truc qui m'a amusé, si vous me permettez. Ouais. C'est que vous savez, maintenant, les boutiques, ils ont mis des lignes au sol.
Oui. Oui. Les gens, tout le monde était masqué, mais ils laissaient pas une ligne entre chacun, mais carrément deux. Donc ça faisait des queues immenses jusque dans la galerie marchande. Ah bah oui. Et je disais, bah rapprochez-vous un peu. C'est pas la peine de laisser. C'est pas comme sur l'autoroute, laisser deux lignes. Oui, non mais après on peut laisser. Moi je suis pas tout à fait d'accord avec ça. Si les gens ont envie d'être un peu plus loin que un mètre, après tout, pourquoi pas. Hein, franchement, bon. C'est comme les gens. Il y en a plein qui ont des masques dans leur voiture quand ils sont tout seuls. Je vois pas trop l'intérêt. Ah oui. Alors ça. Non mais alors ça, je vais vous dire. Ça peut s'expliquer, c'est parce que imaginez que vous avez mis votre masque parce que vous êtes rentré dans un endroit public, après il ne faut pas le toucher, donc vous reprenez votre voiture pour aller ailleurs, vous gardez le masque. C'est juste ça en fait, parce qu'au début moi j'avais la même réaction que vous, mais en fait le masque il ne faut pas le toucher pendant 4 heures, donc même si vous êtes tout seul dans votre voiture, si vous l'avez mis avant pour une raison fondée, ben, vous le gardez. Si vous le touchez, ce n'est pas la peine, il faut en mettre un autre. Non mais là je suis d'accord avec vous là pour le coup, enfin avec toi Marie-Christine, parce que c'est vrai que moi j'entends beaucoup de gens qui disent oh, c'est complètement débile de garder son masque quand on est au volant de sa voiture tout seul dans sa voiture. Non mais attendez, on va pas l'enlever, le remettre sans arrêt. Faut arrêter. Non mais ça c'est Philippe David. Lui vous savez, il est avec la meute, il aboie. Non mais parce que conduire avec un masque quand on a des lunettes, c'est impossible. Ah bon, parce bah moi je conduis avec des lunettes et un masque et ça marche très bien. Je suis désolé, je sais pas comment vous faites, mais il y a un problème chez vous. Il paraît qu'il faut mettre de la mousse à raser sur les verres des lunettes. Oh bah alors là on n'y voit plus rien si on met de la mousse à raser sur les verres des lunettes. Hein. Pour les nettoyer. Ah oui d'accord, oui. D'accord. Je n'ai pas testé. Bon, vous avez un petit côté Ricazaraï là. Oh, je vous en prie. Philippe Binger, est-ce que vous avez le sentiment que les Français ont bien écouté ou ont bien compris, comme l'a dit Sibeth Ndiaye d'ailleurs, ont bien compris les conseils du gouvernement justement pour que ça se passe bien? À partir de la vision fragmentaire que j'ai, Christophe, il est évident que je crois comme nos amis qu'il semble, alors qu'on pouvait craindre le pire tout de même, après un confinement, la libération qu'apportait un déconfinement même relativement réduit, on pouvait craindre qu'une libération totale se produise et que les Français soient tellement heureux de retrouver une liberté qu'ils en abusent. Mais je crois que là, il y a une rationalité, une mesure, une modération qui sont à saluer. Quand je dis qu'il faut faire confiance à l'intelligence collective. Voilà. La dernière fois que j'ai dit ça dans Les Vraies Voix cette semaine, Philippe Binger m'a dit « Oh !» Mais je maintiens, moi, en général... On peut faire confiance aux Français, un peu. Oui, mais pas dans n'importe quelle condition, et on ne les a pas lâchés, les Français, sans garde-fous, entendons-nous bien. Hein. Bon, vous nous appelez... Après, le test, ça sera quand même le week-end prochain, le week-end de l'Ascension. Bien sûr, on verra. Oui, parce que là, c'est un long week-end, hein, de jeudi à dimanche. Donc, on verra un peu ce qui se passe. Et puis là, il y a les plages qui ouvrent déjà ce week-end aussi. On en parlait tout à l'heure. On va voir comment ça va se passer tout ça. Bon, bref. Allez, on nous appelle. 0826-300-300, vous avez la parole. Sud Radio, les vraies voix. Prenez la parole. Et c'est Vincent qui est avec nous. Bonsoir, Vincent. Oui, bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes de Saône-et-Loire, Vincent, je crois, c'est ça, hein ? Tout à fait, nous on est en zone rouge encore. Bah oui, vous nous écoutez sur sudradio.fr ? Ouais, depuis le début du confinement et même un peu avant, hein, de toute façon. Bon, bah, il faut faire de la pub autour de vous en Saône-et-Loire. Moi j'adore ce département. Alors je vais vous dire, ah non, j'adore. J'adore le bon vin. Et oui. Alors les vignerons sont un peu à la ramasse en ce moment, bien entendu, puisque Oui, ils ont des problèmes liés évidemment à tout ça, parce qu'ils vont perdre de l'argent probablement et inévitablement. Bon, Vincent, comment vous le vivez le déconfinement en Saône-et-Loire en zone rouge ? Alors le déconfinement, moi je veux dire que je travaille en EHPAD, donc j'ai pas du tout été confiné. Oui. Bah oui. Ça fait 2 mois et demi que je vais au boulot en EHPAD, bien entendu. J'avais déjà appelé. Pour l'émission d'André Bercoff, une fois concernant... Vous avez raison, très bon Bercoff, très bon. Très bon. Ouais. Et finalement, c'est un peu spécial parce que moi, ma mère travaille dans l'EHPAD où moi je travaille. Mmh. Enfin, elle est résidente dans l'EHPAD où moi je travaille. Oui. Et je voulais juste intervenir au niveau du service public parce que ça fait un moment qu'on tape sur le service public, sur les enseignants qui ne veulent pas reprendre. On trouve qu'ils prennent trop de mesures de sécurité, etc. Mais le service public, finalement, français, depuis le début du confinement, est présent.
Ah ben c'est vrai. Oui. Ah ben on l'a dit tout à l'heure, hein, on avait un interne voilà. avec nous à l'hôpital, ouais. Voilà, formidable. Vous avez eu aussi une personne de l'éducation nationale, bien entendu. Oui, c'est vrai. Non mais c'est vrai, vous avez raison, vous avez raison. Au niveau du service public, ça a plutôt bien fonctionné finalement. Voilà. Hein. Merci Vincent d'être intervenu dans les vraies voix sur Sud Radio. Un dernier mot rapide du professeur Règne. Ce week-end, on peut faire la fête à 10 dans 30 mètres carrés ou pas? Si vous êtes sûr des 9 autres partenaires, oui. Voilà. Ah ben, donc, pour être sûr, il faut tester. Alors, je ne sais pas si on va mettre la lampe ou pas. Non, d'accord. Si vous voulez, l'élément important, c'est de voir quand même qu'avec toutes les précautions qui ont été prises et avec toutes les mesures qui vont être prises s'il y a un foyer qui se manifeste, très honnêtement, je pense qu'on n'a pas à être trop inquiet pour les 2-3 semaines qui arrivent. Bon, mais tant mieux. La problématique, après, c'est effectivement s'il y a un phénomène d'amplification. Et puis, moi, à mon avis, le vrai problème, c'est de savoir s'il va y avoir une persistance de ce virus au niveau mondial et une reprise potentielle à l'automne. Pourquoi ? Ben parce que les personnes rentreront de nouveau dans les maisons, se retrouveront ensemble dans des espaces fermés, et n'auront plus de masques, et donc en définitive, il y a peut-être un risque maintenant de vague, mais à mon avis, c'est surtout la problématique ultérieure de l'automne qui risque de poser problème. Voilà. Bon, on verra. En tout cas, merci beaucoup, hein, professeur Règne, d'avoir été avec nous. Merci Marie-Christine Verdier-Jouclas également d'avoir été là pour ce débat des vraies voix. À la fin du débat.